Salut les gars, c'est Dato, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis super excité de vous tourner cette petite vidéo, je sais pas si vous le voyez, mais et je suis pressé aussi à la fois parce que je suis arrivé à 15h30 à Paris. Je suis arrivé à mon hôtel à 16h, ensuite j'ai été à la douche, je me suis préparé tout ça, et là il est 17h, je dois partir parce que pour aller au concert, mais avant je dois passer manger. Je suis en gradin, donc je ne suis pas pressé, comme le concert de Beyoncé où je devais partir pour arriver assez tôt. J'ai préféré prendre en gradin parce que c'était plus pratique pour les questions avec mon travail et tout, enfin bref. Du coup là, je vais partir, je vais aller manger, je vous montre ma petite tenue aussi au passage. Je sais pas si je vous la montrerai là ou dehors parce que c'est un peu sombre l'hôtel où je suis. Donc j'ai mis ces colliers en bijoux, j'ai mis bague, bracelet comme d'hab. Un petit t-shirt noir simple, un jeans, mes Jordan, je sais pas si vous verrez bien. Enfin bref, et en veste, je prends quand même mon blazer comme ceci parce que j'ai peur qu'il fasse un peu froid ce soir. C'est-à-dire que là, il fait nuageux avec un peu de soleil de temps en temps, mais il fait quand même nuageux, donc on verra bien. Je trouve que c'était d'y aller. De toute façon, je vous prends avec mon téléphone pour vous vlogger tout ça. C'est parti! Là les gars, je vais à ma porte. Je vous ai pas filmé le métro parce qu'il y avait trop de monde. Je sais pas si vous m'entendrez non plus. Donc let's go, c'est parti. Là j'ai cherché ma porte. Je crois que je suis arrivé complètement de l'autre côté. Là les gars, je suis arrivé devant ma porte. Du coup moi je porte des là, juste là. Donc on verra bien ce que ça donne. Du coup les gars, j'ai réussi à me mettre à part, j'espère que vous m'entendrez, pour vous montrer. Attends, je vous montre. Du coup j'ai pris ce t-shirt. Et du coup voilà, on va bien voir. Ensuite je me suis pris un petit coca et j'ai ma petite place qui se présente comme ceci. Donc on va bien y aller et on verra ce qui se passe. Le monsieur me demande si je vais bien. Oui bien sûr je vais bien, je vais même très très bien. Je vais aller au concert là, je pense que je vais rentrer dans pas longtemps et on verra bien. Il est en train de passer du Beyoncé là.
coup, pour tout vous dire, le concert était incroyable. Je pense que ça s'entend peut-être à ma voix. J'ai pas beaucoup de voix, mais je viens de rentrer, il est minuit 20 quand même, le temps de rentrer. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de redonner ça. Enfin, c'est des bracelets en plastique qui s'allument, ça je trouve ça super bien dans le concert. Mais j'ai oublié de le rendre. Bon bah tant pis, ça me fera un souvenir, même si ça va me servir à rien. J'ai mon t-shirt qui est trop beau, en plus mon petit billet qui est vraiment magnifique. C'est super beau, je trouve. Ça fait un souvenir, je trouve, et c'est beau, enfin c'est cool. Voilà. Après, pour parler du concert en général, bah, les images parlent d'elles-mêmes. Enfin, c'était vraiment trop bien, incroyable. Enfin, j'ai grave kiffé. Très rapidement, pour l'expérience fausse gradin, clairement l'expérience gradin est moins bien, je trouve. Enfin, dans le sens où on est plus, je trouve, spectateur du concert, contrairement au, quand on est en fausse. On est plus acteur, enfin, je sais pas, t'as l'impression d'être vraiment dedans, enfin, dans le sens, t'es proche de la scène, tu, je sais pas, t'as la hauteur, la scène à ta hauteur, enfin, que là, t'es vraiment un peu des spectateurs de ce qui se passe, mais ça reste assez incroyable, parce que le point de vue de tout l'extérieur, enfin, je pense que quand t'es sur scène, tu vois tout en, comme ça, alors que là, tu vois tout comme ça, enfin, ça a ses avantages dans les deux cas. Bon, moi, j'avais pas le choix, là, mais je pense qu'à refaire, je le ferai en fausse, clairement. Et du coup, voilà, c'était trop bien. Là, je vais aller prendre ma douche, dormir, et on se retrouvera demain matin parce que je continue le vlog avec vous, qui avait une plus grosse partie concert et une autre qui sera sur le reste de ma petite journée à Paris, parce que je repars demain fin de journée, enfin je suis resté 24 heures parce que je travaille après. Donc voilà, je vous dis bonne nuit et on se retrouve demain matin. Du coup les gars, on se retrouve, on est le lendemain, il est actuellement je crois près de 9h30. Je me suis levé à 8h30, j'ai pris ma douche, enfin je me suis préparé, toutes mes affaires sont prêtes, enfin tout est prêt. Je vais partir, je vais aller petit déjeuner parce que j'ai assez faim. J'ai pas très beaucoup mangé hier, donc j'ai assez faim. Voilà, donc je vais tester une boulangerie, donc je vais tester Mamiche, j'espère que c'est ouvert. Enfin, parce que je voulais tester, comme j'ai testé dans un des derniers vlogs, je voulais tester le meilleur croissant de Paris 2022. Et bah, c'est fermé là pour les congés, donc je me suis dit bah, que j'allais tester une autre boulangerie qui est, où j'en ai entendu quand même pas mal parler. Donc on va tester Mamiche, on va y aller et on se retrouve quand on est là-bas pour tester. Et je vous ai pas montré mon petit outfit, enfin je me suis habillé très très simple. J'ai mis un t-shirt tout blanc, un jean bleu, mes Jordan que j'avais hier. Et ensuite je vais mettre mon blazer, enfin franchement très simple mais efficace. Voilà voilà. Du coup les gars, la boulangerie est fermée, donc bah, comme je devais aller à Starbucks, je vais quand même aller à Starbucks parce que la boulangerie est fermée. Super. Voilà, voilà. Il faut que je me dépêche parce qu'il commence à pleuvoir, c'est super. Du coup là comme il fait pas très beau, je vais aller au musée de l'orangerie parce que bah, il fait pas très beau, il pleut de temps en temps, donc let's go. Non mais regardez le monde qu'il y a, genre juste pour le musée quand même, alors, faut pas abuser, regardez.
coup les gars, je viens de finir le musée, donc c'était très cool. Enfin, en même temps, j'adore Claude Monet, donc forcément je ne peux que aimer le musée. C'était très sympa et du coup j'ai vu qu'il fait moche, j'ai décidé de prendre le goûter là-bas, parce qu'il propose un petit café. Et franchement c'était assez bon, j'ai pris un cappuccino avec une tarte au citron, orange citron je crois. Et franchement c'était très très bon, voilà voilà. Là il est 17h je crois, j'ai mon train à 19h30 je crois, donc il faut que je sois à 19h à la gare. Je vais voir un peu, je vais me baladerai un peu aux Tuileries, mais je fais un peu attention parce qu'il pleut un tout petit peu. Pour vous montrer, le temps n'est pas très ouf, mais on va dire que ça le fait. Donc là, je vais me dépêcher. Donc là, du coup, je vais me balader un petit peu. Je vais voir si je fais un truc avant d'aller à la gare, et après, j'irai à la gare du coup pour attendre mon train.